הכנסת הגדולה הוא היה אומר על שלושה דברים, העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שמעון הצדיק הייתי כהן גדול. Et il dit sur trois choses, le monde tient. Ça veut dire quoi sur trois choses, le monde tient? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il l'a créé pour ces trois choses-là. Il n'a pas créé pour avoir une situation, il n'a pas créé pour avoir une belle maison, il a créé que pour ces trois choses-là. Si on sait pourquoi Hachem il a créé le monde, alors on sait qu'est-ce qui intéresse Hachem dans son monde. Qu'est-ce qui intéresse Hachem dans son monde? Première chose, Torah. Deuxième chose, Avoda, c'est Tfila. Et troisième chose, c'est faire du chesed. Les uns avec les autres. À part ça, il n'y a aucun autre but dans ce monde. À la Torah, Kemo Sheneema, Shocher Tov Yevakesh Ratzon, Ubishvila Nivra Olam, c'est pour elle, pour la Torah Kdosha, que le monde a été créé. כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. סיסניתי מהברית. ברית זה תורה. Le jour et la nuit, alors j'aurais pas créé les règles de la nature, du ciel, de la terre. לא שמתי. אז qu'est-ce qu'un homme doit chercher toute sa vie? רק תורה. C'est tout. Tout le reste de la journée, de la vie, c'est juste un moyen pour étudier la Torah. À part ça, il n'y a rien. Il faut qu'on se mette bien, bien, bien ça dans la tête. C'est un but en soi. C'est le but. L'ilmot Torah. D'accord, c'est vrai. Si on va faire des tioulim, si on va faire... Ça, c'est juste pour étudier la Torah. Pourquoi dans une yeshiva, on fait un tioul? Yeshiva, c'est quoi? C'est une colonie de vacances? Bon, Yeshiva, on fait un tioul. Putain, je dis tioul. C'est tioul. Et là, vadaï, que s'il y a un tioul, c'est pour prendre de l'air, pour se reposer, pour donner un peu d'efforts au corps, pour revenir après et étudier la Torah. Kizarika. Un juif ne doit avoir aucun autre but au monde que d'étudier la Torah. Et même s'il va travailler, même s'il va... Il n'y a pas de fin en soi. Il n'y a pas de but en soi dans le travail. Le goy, oui. Le goy n'a pas de Torah. Torah bagoyim, al tamim. Azlachen, ça n'existe pas un autre but chez un goy, si ce n'est la finalité du ramazé, le profit du ramazé. Et pour profiter du ramazé, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent... Il faut un bon métier. Pour avoir un bon métier, il faut faire des bonnes études. Alors voilà le système. C'est un système qui est adapté au goy. Qui commence sa vie ici et il termine sa vie ici. Aval pour Am Israël, la vie elle a commencé là-haut et elle se termine jamais. Il n'y a pas de fin. Les Neshamot elles ont été créées en haut. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, il a créé toutes les Neshamot d'Am Israël. Et la fin, elle est quand? Il n'y en a pas. La Neshama, elle est éternelle. Le juif, il est éternel. Azvadaï, que pour nous, la finalité de la vie, c'est pas ce monde, c'est pas les 70 ans dans lesquels on se trouve. Le Choliot, Elama, Hachem, il t'a mis dans ce monde, Kede l'ilmot Torah. C'est tout. אחד אמר ב ואחד הממרית ובלבד שיכוון ליבו של השמיים וכי לא פוקוד חוכמה וכי לא פוד חוכמה פעם פה תוסס אינטרס פעה השם
Ça intéresse Hachem que tu t'assoies et que tu étudies. Tu réussis ou pas, tu étudies beaucoup ou peu, que ce soit en quantité, que ce soit en qualité, peu importe. Aïka, t'es chef l'île Torah. Zéhu Shamar Shalomo, Alav Shalom, nous t'irou Shlomo Amelech. C'est d'abord Shlomo Amelech. Qu'est-ce qui lui manquait, Shlomo? Qu'est-ce qui lui manquait? Rien, il lui manquait. Et il lui manquait tout. Lui-même, il dit, j'ai cherché Tarti, Vripasti, j'ai cherché dans ce monde. Et j'ai vu, j'ai cherché des Chochmot et des Chochmot, Kohelet, faites Kohelet, mais Kohelet, c'est le nom. Non, j'ai cherché là, au-dessus du soleil, en dessous du soleil, et là, et là, et là, Hevel, 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 la Kol Hevel. Shlomo HaMelech, il a une Chochma qui est hors du commun. Une Chochma, c'est. Moi, personnellement, quand je lis les Chochma de Shlomo, je suis. Ivahal de voir ces Chochma et les Midrashim et les choses extraordinaires de Shlomo HaMelech. Alors si l'homme le plus racham du monde, il veut qu'une chose, c'est quoi? En chokhma. Encore de la chokhma. Encore de la Torah. Encore de la connaissance. Encore de la sagesse. C'est tout ce qu'il veut. Et il a tout. Les femmes, mille. Ça n'intéresse pas. Hevel, il dit. Hevel. Hevel. Le summum de toutes les ta'avot, il avait Shlomo HaMelech. Toutes les ta'avot, il a été à la fin de tout. Tu peux pas dire, je veux essayer ça, peut-être si j'ai ça, ça va me plaire, et là, non, voilà, t'as Shlomo HaMelech, il a fait le travail pour toi. Il a tout goûté. Tout goûté. L'argent et l'or, ils traînaient dans les rues à l'époque de Shlomo HaMelech. 1000 femmes, non, pas besoin de développer plus. 1000 femmes. Et quelles femmes? Ben, quelle femme il a pris? De Mersharim. Mersharim, c'est super. Des filles de roi! Des filles de roi, il a pris. Des princesses, que des princesses. Hevel. L'argent, Hevel. Les plaisirs, boire, même là-bas, écrit, boire. Boire, micheté. Des seoudot, des seoudot. Des seoudot. C'est quoi nos seoudot à nous? C'est quoi les seoudot de Shlomo? C'est quoi les mahalim de Shlomo? Des centaines de cuisiniers, il y avait chez Shlomo HaMelech. Des centaines, c'est pas des milliers, je me rappelle pas des chiffres, il y a écrit dans la Gemara. De cuisiniers de tous les pays du monde, cuisine asiatique, cuisine italienne, cuisine française, gastronomie. Machetamotse, il y avait sur la table de Shlomo. Tout ce que tu veux. Hevel. S'asseoir, manger, boire, rigoler, s'amuser. Hevel, Hevel, la colle Hevel, il dit Shlomo HaMelech. Il a fait le travail pour nous. Une chose l'intéressait, c'était Torah. De découvrir encore des chochmot et encore des chochmot et encore des chochmot. Il dit Shlomo lui-même, dans Sefer Michelet, Adonai kanani reshit danko kedem ifalav me'az. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Amra Torah lifnei akadosh baruch hu. Ani nivreti lifne kol haolam, tu m'as créé avant tout le monde, tout l'univers. Tatkarat shanim, 974 ans avant la création du monde, Hachem il a créé déjà la Torah. Et après la Torah elle lui a servi comme plan pour créer le monde. Uvaravuri nivreu kol hanivraim kedei lekaimeni. Pour moi ont été créées toutes les créatures pour m'accomplir, pour accomplir la Torah Kedosha. Azdava, Vadaï, Vadaï, qu'il faut que ce soit clair dans notre tête, je parle pour moi-même, qu'il n'y a pas autre chose que l'étude de la Torah qui compte dans ce monde. Et pour le juif lui-même, et pour Borei Olam, et dans la vie, il n'y a pas autre chose que ça. Un homme, il faut qu'il s'épanouisse dans la Torah. Deuxième chose, Ala Avoda. כי הקדוש ברוך הוא בחם בישראל מכל האומות ומבחם מכל הארצות ירושלים. הקדוש ברוך הוא parmi toutes les nations l'a choisi, עם ישראל. Parmi tous les pays l'a choisi, ירושלים. ישראל, ירושלים. ובחר מירושלים ציון, parmi ירושלים, il y a le mont Tzion. C'est le Beth HaMikdash.
Qui bracha Hashem betzion yivah le moshevlo. Bracha bebet abechira ha'avoda. Ce qu'il a choisi dans le Bet HaMikdash, c'est le service des Kohanim. C'est katouf baratzon. Ratzon, c'est agréé devant Hashem. J'ai les marres, les ratzot, l'ifne Hashem. Inel lecham, ikim ipne ha'avoda, nivra kol ha'alam kullo. Pour la avoda des korbanot, pour le Bet HaMikdash, a été créé le monde entier. Deuxième raison. Ve'ata, ba'avonotenu, comme ça il dit, j'ai perdu la vue. Az bachata'enu, harav mikdash ou batla avoda. Aval, on n'a pas le Bet HaMikdash. Comment il faut qu'on languisse le Bet HaMikdash? Comment il faut languir? Faire tikkun chatzot, un peu taille. Chatzot aujourd'hui, c'est à 11h22. Qui va dormir avant 11h22? Alors, chef. 11h22, t'es réveillé? C'est tikkun chatzot. S'asseoir par terre. Il faut pleurer. Sur quoi il faut pleurer? Bet HaMikdash. On n'a pas le Bet HaMikdash. Si un homme, il sait pas c'est quoi Bet HaMikdash. Regarde les tzarot d'Am Israël. Sur les tzarot, regarde Am Israël comment il souffre. Avec des problèmes. Celui qui a appris un petit peu c'est quoi le Kohen Gadol, les Kelim du Kohen Gadol, la Avoda qu'il y avait là-bas. Pff, comment c'était merveilleux. Il faut languir ça. Bon, celui qui a pas appris, celui qui sait pas, ça lui parle pas. Regarde les tzarot d'Am Israël. Ça lui parle pas, regarde le tsar d'Hachem. Si ça lui parle pas, qui pleure parce que ça lui parle pas. Il y a rien qui lui parle. Qui pleure parce qu'il peut pas pleurer. Bah, tellement je suis catastrophique, je comprends même pas c'est quoi perdre le Bet HaMikdash. Je comprends même pas pourquoi il faut pleurer. Ça, c'est une raison de pleurer déjà. Bah, tellement on est loin. Okay. Ouais. Le Icar, c'est Avodat HaKorbanot. Il faut avoir une Tahava. Une Tahava. Qui brûle en nous de vouloir amener un corban. Il faut que ça brûle en nous. Pas que ce shalom soit oublié. Nahon, ça fait presque 2000 ans, il n'y a plus de corban. Il faut qu'il y ait une tava qui brûle dans l'homme. Quand est-ce que je pourrais amener un corban khatat? Quand est-ce que je pourrais amener un corban achat? Quand est-ce que je peux voir le tzitz du Kohen Gadol? Voir le Roshen? Voir les Nevi'im qui vont voir Urim Betumim? Quand est-ce qu'on pourra revoir cette chose-là? Qu'est-ce qu'il y a à voir aujourd'hui? Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Les plus beaux monuments du monde, ils ne veulent rien dire par rapport au Bet HaMikdash. Michel Aura, le Bet HaMikdash n'a pas vu un beau monument, une belle construction de sa vie. Tellement qu'il était beau, le Bet HaMikdash. Et voir le Kohen qui amène le Korban sur Misbeach et un feu qui descend en forme de lion du ciel qui vient brûler le Korban et tout le peuple y voit ça. C'est un mifle. Il a dit qu'il est prêt à renoncer à toute sa Torah, à tous ses chidushim. Il est prêt à renoncer. Tout ce qu'il a étudié dans sa vie, et on a parlé plusieurs fois combien le Gaon Mivilna, il était Gaon Mivilna. Tout, il est prêt à renoncer. À recevoir aucun salaire pour aucun de ses chidushim, en contrepartie de recevoir la sensation, ce qu'on ressent quand on rentre un instant au Bet HaMikdash. Tout y vend, toute sa Torah sur un côté de la balance, sur l'autre côté de la balance, juste sentir ce qu'on ressent quand on rentre un instant au Bet HaMikdash. Tellement qu'un homme il sort avec des moussagim et de la Yirat Shamayim énorme quand il rentre dans le Bet HaMikdash. On a perdu ça. Il faut que ça nous touche. Si on n'aspire pas retrouver ça, alors quand je bouge, oui, il accélère pas. Bien. Si un enfant il doit recevoir un cadeau, il sait qu'il doit recevoir un cadeau. Le cadeau il est prêt. Le père il a acheté le cadeau. Mais il voit un enfant qui il sait qu'il y a le cadeau. Il sait que le cadeau il est prêt, mais il cherche pas. Il vient pas voir papa. Il dit, papa, quand est-ce que je me donne? Papa, allez-y, moi maintenant. Ton anniversaire, c'est dans 3 mois. Dans 3 mois, tu... Allez, mais c'est pas grave. Viens, on fait des... Avant. Il demande pas. Même le jour de son anniversaire, il lui donnera pas. Bah, tu t'en as rien à faire. Alors, ça traîne. Alors, s'il vient, tous les jours, il le saoule. Tous les jours, il pleure. Il vient, papa, allez, viens, quand tu viens, quand tu me donnes, allez, dis-moi, viens, il pleure. Voilà, il y a une chance qu'il lui donne plus tôt.
Nous aussi, pareil. Si on va voir Borolam, et on vient, et on pleure, on dit, bon, Borolam, quand est-ce que tu vas nous donner le Beth Amikdash? Quand est-ce que tu vas arrêter les tsarot de Ram Israël? Quand est-ce qu'on aura un petit peu plus de date, plus d'envie de te connaître, et d'étudier ta Torah, et de faire tes tfilot, etc. Quand? On va rester comme ça, la tête petite, petite, les yeux complètement voilés, et se faire avoir de tout ce qu'il y a dans ce monde-là, jusqu'à quand? Alors, faut qu'on demande. Il vient le plus vite possible et il se dévoile le plus vite possible. Et là, mes attachés, ça accélère. Et quand il va se dévoiler, alors il va dire, bah, c'est grâce à mon fils Rabotai. Vous savez pourquoi je suis venu plus tôt? Bah, c'est grâce à un tel, et c'est grâce à un tel, c'est grâce à un tel qui a Khatsatis était assis par terre, il pleurait pour qu'Hachem vienne, il se dévoile. Et le Sakhar, il sera immense. Kol am mitabel al Yerushalayim, zoche veroé, c'est lui qui a. Il est en deuil sur Yerushalayim, il verra la construction de Yerushalayim. Faut pas être indifférent à ce Shalom. On est à Kadosh Baruch Hu, il compte sur nous, il compte sur vous. Il compte sur vous pour répandre sa Torah dans le monde, étudier sa Torah comme il faut, et prier pour que l'Avodah y revienne, que le Beth Amikdash revienne. Az bachata'enu charav amikdash ubatla avoda. Alors qu'est-ce qu'on a? Kadosh Baruch Hu nous a pas abandonné. Il nous a donné autre chose à la place. Quoi? Tfila. La tfila, elenu, bimkoma. La tfila vient remplacer la avoda des korbanot. Kemo shamru ul'avdo bechol levavchem, ezoi avoda shebalev, eve omer zot tfila. Mais Zehu shomer, Hashem sfatai tiftach, ufi yagid tehilatera. Qui c'est qui a dit ce pasuk? C'est David Amelech. David Amelech alav shalom, amro le pasuk ze al hatat Batsheva. David Amelech, il a fauté avec Batsheva. On connaît cette histoire. Il a envoyé Uriah Hittite à la guerre. Uriah s'est fait tuer. Et David, il l'a fait exprès pour prendre sa femme Batsheva. C'était une faute. Pourquoi c'était une faute? Alors, le Mashiach, il est sorti de Batsheva et David, il savait sa bénévoie. C'était une faute parce qu'il aurait dû attendre que Uriah il meure de lui-même. Il n'aurait pas dû envoyer lui-même Uriah à la guerre. David HaMelech, il avait une tahava d'amener le Mashiach le plus vite possible. Alors, ça l'a un peu, à son niveau, ça a brouillé les pistes. Aval, David HaMelech, il aurait dû attendre. Bref, il a fait, les rois, ils sont graves, ils sont rechétiches. Et c'était Bémézid qu'il a fait cette avéra. Quelqu'un qui a fait une avéra bemezid intentionnellement. Un korban, ça fonctionne pas. Un korban, ça marche que sur une faute beshogeg. Ve'al ze amar ki lo tachpot zevach ve'etena ola lo tirtze. David Amelech, il a dit à Hachem, tu voudras pas d'un zevach que je te donne un korban. Une Ola, tu l'accepteras pas. Pourquoi? Ola lo tirtze. Ola, ça marche pas sur une Avera ben Mezid. Achshav she'eni yochol le'avi, dit David HaMelech, maintenant que je peux pas t'amener un korban. Alors, je vais utiliser autre chose. Quoi? La tfila. Tiftach sefatay ufi yagid tehilatecha. Ou tekabel la tfila bimkom korban, ou traper li al hatati. Elle peut prendre ma tefila à la place du korban, et la tefila, ça marche même bémézide. C'est un korban qui expie les fautes, même si elles sont bémézides. Gamanachnu she'elanu korban she'chaper elanu al hazdonot velo al shgagot. Hashem sefatenu kiftach utkabel tefilatenu bimkom korban. Il y a toute l'avoda de la tefila qui est longue, qui est profonde, qui atteint les plus hauts sommets du monde. Comme la Gemara dit, Kerum Zulot, Livne Adam. Kerum, Dvarim Amdim Berumo Shel Olam, des choses qui se tiennent dans les sommets du monde, Zet, Tfila. Ve'anashim, Bene Adam, Ezalzelim, Baem, et les gens, ils la négligent. La Tfila, il n'y a pas plus fort que ça. On a parlé beaucoup de ça. Bon, Hashem, on a entendu beaucoup de Sirot du Ravarié. Bon, on était jeunes. On a entendu beaucoup Ravarié parler. Ravarié, c'était quelque chose de très 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 spécial dans la tefila, très spécial. Quand il priait avec nous au collel, on a eu le sroute que pendant des années il venait au collel, il nous donnait des cours tous les jours. Et parfois, ça lui arrivait de monter chez l'Hertzibourg.
Montachaler quand il avait leur zeit, l'ascara de sa mère ou de son père, Montachaler Tibo. Et c'était impressionnant de le voir prier, c'était impressionnant. Il fallait être préparé, il fallait le connaître. Parce que sinon, quelqu'un qui ne connaît pas, il arrive, il le voit prier, il est un peu. Pourquoi? Il pleurait comme un bébé, du début de la tefila jusqu'à la fin de la tefila. Mais quand je vous dis pleurer, c'est pas pleurer un petit peu avec des larmes. C'est pleurer avec le son d'un pleur d'un bébé. Et dans la Amida Belachash, et dans la Chazara. Amida Belachash, ok, c'est là, chacun fait, eh, tu l'entends pleurer, mais c'est là. Dans la Chazara, ça y est, tout le monde t'entend. Il peut pas prier. Le Cholit Palel, il peut pas avancer. Chaque mot qu'il dit, il pleure. T'en Rabbi David. Il pleurait comme un bébé, il pleurait. Il sentait Boré Olam devant lui. Tu voyais un Yehudi que tout son corps et tout son cœur, il était dans la tefila. Tout, comme si que plus rien n'existait au monde. Il faut voir ça pour comprendre c'est quoi tefila. Plus rien n'existait au monde. Il était seul devant Boré Olam. Et il faisait sortir ses sentiments. Il ne pouvait pas se retenir. Bien que c'était un homme, il faut le connaître, travailler pour savoir... Quel est le grand ridouche qui pleure? C'est un homme qui a beaucoup de tact. Il a beaucoup, beaucoup de chokhma au niveau des relations entre les hommes, etc. Beaucoup de kavod, beaucoup de patience. Il ne fait pas des choses bizarres. Au contraire, il est très, très, très terre à terre. Il ne montre rien, il cache tout. Et pourtant, quand il vient prier, pitom, tu vois un homme qui... Grâce au Shalom, il est un peu simple, il pleure, mais tu pleures, mais il y a du monde qui t'attend, il y a les gens qui t'écoutent, personne pleure, mais tout le monde te regarde. Okay. Il peut pas, il est à nous. Pourquoi? Il prie, il sent pour eux en l'âme, il sent qu'il est devant Hachem. Il sent qu'il demande la chokhma comme quelqu'un qui est pauvre, qui demande l'argent, et s'il n'a pas cet argent-là, il va mourir. Alors il pleure de toutes ses forces. Parce que s'il n'a pas la chokhma, alors il ne peut pas vivre. S'il n'a pas la santé, il ne peut pas vivre. S'il n'a pas ça, et ça, et ça, et ainsi toutes les brachot. Ça, c'était les brachot du début. Les brachot du début, on demande des choses personnelles. Mais quand après, on arrive à Retzé, qui nous amène l'Avoda, à Modim, aux brachot qui sont Gvar, des brachot qui concernent Hachem, qui se dévoilent, et qui accepte notre service, etc. Alors là, je ne vous raconte même pas. Les tefila, c'est tout, Rabotai. Tefila, c'est tout. Il faut. C'est un chizouk, la Gemara a dit. Une des quatre choses, il faut chizouk. Une des quatre, c'est tefila. Il y a Torah aussi, il y a aussi tefila. Il faut se renforcer toujours, toujours, toujours dans la tefila. Venir commencer tôt, et ainsi de suite. Top, il est tard. On ne peut pas continuer à parler. Jamais à Kenou. Amen.